Très bien. Les gouvernements et les entreprises utilisent en fait les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 alors que des dégâts considérables se poursuivent et alors que nos revendications pour plus de changement de système, qui est en fait la seule manière d'atteindre de la justice et du changement pour nos communautés. Donc, à partir de ce forum politique de haut niveau, on a commencé à réfléchir à ce que ça signifiait vraiment pour nous, le changement de système, et comment on le relie aux manières dont nous utilisons les objectifs de développement durable, les ODD, comme une voie, comme un parcours vers ce changement de système. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce que la mainmise des entreprises, ça signifie, cette récupération des multinationales, notamment dans les espaces multilatéraux et notamment à l'ONU. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vraiment tirer la sonnette d'alarme à propos de la signature de l'accord entre BlackRock, la plus grande entreprise d'investissement du monde, et ONU Femmes, qui est l'une des agences de l'ONU et qui est supposée mener les discussions et les débats par rapport à l'égalité en matière de genre. Et nous avons construit cette opposition et vous êtes venus à nos côtés pour s'opposer à cela. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement cet accord entre ONU Femmes et BlackRock, mais il y a énormément d'accords qui se signent, pas seulement avec ONU Femmes, mais avec de nombreux organes ou entités de l'ONU. On nous a rappelé qu'il y a une longue histoire d'accord Microsoft avec l'organisation de l'ONU pour la protection des réfugiés et avec BlackRock, là, cette entreprise d'investissement. On a vu les liens avec le PNUD de la Colombie, par exemple, et on a vu qu'énormément d'opposition se développait. Donc, c'est vraiment un moment tendu, notamment par exemple avec la Colombie qui ne s'est jamais réconciliée avec ses communautés autochtones et avec la colonisation dès le départ. Donc, il y a des espaces, des contrats, des accords commerciaux et politiques qui donnent énormément de pouvoir aux entreprises, mais peu aux autochtones, aux femmes, aux travailleurs. Et c'est ça que nous voulons, nous. C'est là que l'on demande du changement, c'est qu'il y ait un transfert de pouvoir vers les populations. Pas des petites miettes, pas la responsabilité sociale des entreprises. On ne va pas leur prier de nous accepter à la table et de leur demander de mendier. Non, nous exigeons au gouvernement qu'ils se lèvent et qu'ils s'opposent, qu'ils reconnaissent que il y a un contrat social, ils ont un devoir envers nous, envers les peuples. Et au bout du compte, on l'a bien vu, l'ONU Femmes s'est retirée un petit peu de cet entretien, ou plutôt de cet accord avec BlackRock, parce qu'il y avait une réaction populaire. Et en fait, le pouvoir d'entreprise n'est rien à côté du pouvoir des peuples, et ça le montre bien. Il y a un grand combat à mener devant nous, mais c'est un combat qu'il est possible de gagner. Je vais passer la parole à Sunsida du Bangladesh, qui fait partie d'une organisation très combative. Et puis ensuite, nous entendrons d'autres personnes, d'autres intervenants. Donc, Sunsida Sultana, c'est à vous. Merci. Alors, le son est vraiment presque inaudible. Je vais essayer d'interpréter. C'est l'interprète francophone qui parle là. C'est pratiquement inaudible. Je vais faire de mon mieux. J'informe les participantes. C'est inaudible. Je l'explique dans le chat. Désolé. Désolé, peut-on, s'il vous plaît, donc c'est mieux. Merci. Donc, c'est une organisation qui est dirigée par les femmes, composée de femmes, donc,
qui, notamment des étudiantes, des travailleuses, des personnes qui appartiennent à des mouvements de femmes, qui partagent un rêve, à savoir créer une organisation dans laquelle il y ait des travailleuses qui puissent s'épanouir, s'émanciper, se rassembler et construire un mouvement ensemble. Et donc, c'est de ce rêve qu'est née cette organisation. Les hommes, ou plutôt la principale en 1991, le mouvement dans notre pays, le mouvement pour les droits des travailleurs, était plutôt un mouvement des élites, des classes supérieures, tout comme le mouvement pour les droits des femmes. Donc, notre présidente, qui est maintenant aussi députée, a senti que ce n'était pas comme ça qu'on pouvait créer un mouvement pour les travailleurs et les travailleuses, que ça devait être un mouvement organisé par justement ces travailleuses et travailleurs. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à les organiser, à aller les rencontrer. Les travailleuses et travailleurs de l'industrie pharmaceutique, par exemple, parmi d'autres secteurs. Donc, c'est là qu'on a commencé à les organiser. Et à partir donc de cette année 1991, eh bien, on continue à fonctionner avec notre mission, avec notre vision pour une société libre et exempte de discrimination et d'inégalité, dans laquelle les femmes travailleuses bénéficient de leurs droits et de leur dignité. Ça a été vraiment le moteur, hein, de notre mouvement, ce travail pour les droits, la dignité, les pouvoirs des femmes et des travailleuses notamment. Nous travaillons avec trois principaux piliers: égalité de genre, droits des travailleuses et justice économique. Et au sein de ces piliers, nous travaillons avec de nombreux domaines, les secteurs formels et les secteurs informels des travailleuses. En informel, par exemple, ou dans le formel plutôt, ce sont les industries du textile, des vêtements, entre autres. Et dans le secteur informel, eh bien, ce sont les travailleuses domestiques, les migrantes, les travailleuses qui travaillent dans les maisons. Et comme vous le savez, dans notre pays, les secteurs formels et informels, si on regarde les chiffres, en fait, à peu près 80% des travailleuses et travailleurs appartiennent au secteur informel, hein, dans la main-d'œuvre générale du pays. Et on trouve aussi, bien sûr, le secteur des services et de l'industrie, mais si on regarde ce secteur formel, il existe aussi des volets informels au sein du secteur formel, en fait, dans lesquels les travailleuses et travailleurs sont dans des conditions de précarité, ne bénéficient pas d'un travail décent et manquent, hein, des droits au travail auxquels ils devraient pouvoir avoir, justement, le droit. L'idée, donc, c'est de préparer les femmes qui travaillent pour qu'elles puissent réclamer leurs droits, que leur voix soit entendue. Nous les encourageons à se relier entre travailleuses, à développer leur capacité de direction et à participer à différents comités, à différentes organisations, à des syndicats également. Et nous travaillons justement aussi avec des syndicats. Nous ne sommes pas une organisation syndicale, nous sommes une organisation de femmes travailleuses. Une organisation de femmes et en particulier de femmes travailleuses. Voilà, nous préparons donc ces travailleuses pour qu'elles se rendent aussi dans des réunions syndicales et qu'elles
occupent des postes de direction dans ces syndicats. Ensuite, nous menons aussi des recherches hein, pour voir un peu la situation des travailleuses, savoir ce qui se passe sur le terrain. Et à partir de ces recherches, de ces investigations, nous organisons notre stratégie de plaidoyer. Nous faisons du plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de décideurs politiques. Et dans ces campagnes de plaidoyer, nous impliquons aussi justement nos femmes de la base, du terrain. Autre élément sur lequel nous travaillons, ce sont avec d'autres organisations de la société civile, nous générons des plateformes, des réseaux pour construire des alliances pour que nos voix soient mieux entendues, pour que notre mouvement soit plus fort. Actuellement, nous travaillons au Bangladesh. Mais nous sommes aussi en réseau avec d'autres plateformes au niveau régional pour que le mouvement soit plus fort, ce mouvement féministe, pour les questions des migrants notamment aussi. Nous travaillons aussi avec eux. Bien, concernant les défis à notre travail, et par rapport à cette intrusion des entreprises, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, tout d'abord, il y a des politiques néolibérales partout dans le monde. Et cela continue. Et je peux donner des exemples. Nous travaillons avec des travailleurs des entreprises de transformation de produits de mer. Il s'agit donc d'entreprises qui sont d'usines qui se trouvent dans les zones côtières et qui transforment le poisson et d'autres produits de la mer. Dans ces entreprises, dans ces usines, c'est la législation nationale qui s'applique. Mais on voit qu'il y a des femmes qui travaillent, qui sont sous contrat à travers des sous-traitants avec des salaires très bas. Et donc dans ces zones côtières, en 2009-2010, les syndicats étaient très forts. Il y avait un salaire minimum qui était établi, mais du fait des gouvernements et de ces entreprises, ces mouvements syndicaux ont été brisés. Des leaders syndicaux ont été licenciés par les personnes qui géraient ces usines. Et actuellement, les syndicats sont affaiblis. Voilà pour ce secteur dans lequel on voit bien l'influence des entreprises. Et il faut remarquer que dans notre pays, les politiciens sont soit des bureaucrates, soit des gens vendus aux entreprises. Et il y a souvent des portes tournantes entre pouvoir politique et pouvoir économique. Et donc, les droits des travailleurs, c'est difficile de les défendre. On ne peut pas faire grand-chose parce que les décisions sont prises par les députés. Et l'un des députés, les députés les plus influents sont aussi en lien avec les ministères.
les ministères du commerce, par exemple. Et donc, nos luttes s'envoient freinées. Et donc toutes les travailleurs de la chaîne de valeur du secteur de l'alimentation liée à la mer s'envoient affectées. Est-ce que tu peux conclure bientôt? Oui. Alors, pour ce qui est de l'égalité de genre dans notre pays, nous sommes également confrontés à d'autres difficultés comme dans d'autres pays d'Asie, c'était le fondamentalisme religieux qui est assez fort dans notre pays et du fait d'aspects politiques. En réalité, dans les années 90, dans les années 90, il y avait un fort mouvement féministe, mais le mouvement fondamentaliste est très puissant actuellement et nous sommes dans des sociétés très patriarcales et souvent les femmes n'ont même pas le droit de travailler et donc on ne peut pas parler d'égalité de genre à proprement parler. Et on voit que l'automatisation, la mécanisation des industries se poursuit et beaucoup de travailleurs, beaucoup de travailleuses n'ont pas beaucoup de formation et ne sont pas très familières des technologies. Et de ce fait, elles s'éloignent des industries, de ces industries-là. Et les industries évoluent dans ce sens-là. Et il y a aussi ce nouveau phénomène de l'économie à la tâche. En anglais, c'est gig economy. Et on voit très bien que les syndicats n'ont aucune stratégie pour faire face à ces nouvelles évolutions de l'économie avec l'utilisation du travail via des plateformes. Il y a aussi des méga-projets et des projets de partenariat public-privé qui causent des dommages environnementaux et des problèmes de déplacement de populations pour lesquelles les femmes sont très affectées. Un autre problème, c'est qu'en juin, notre gouvernement a déclarer des zones économiques prioritaires, ce qui fait que des paysans, des personnes de ces régions-là perdent accès à leurs terres et elles se retrouvent dans des conditions très précaires. Concernant l'impact du COVID, oui, il va falloir conclure. Oui, donc on connaît bien sûr l'impact du COVID. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Je suis désolée, je déteste couper les gens lorsque vous présentez votre travail avec une analyse très complexe de comment ces différentes difficultés se chevauchent. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Et nous allons passer à notre prochaine intervenante d'Afrique du Sud, qui s'agit de Leslie Massimaniane, qui fait partie du réseau international pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Merci beaucoup. Je suis très honorée de participer à cette Assemblée mondiale des peuples. Nous sommes inquiets par rapport à la situation de la société civile. Et on voit notamment qu'il y a une mainmise des entreprises très fortes sur les
de la part des entreprises, notamment sur la paysannerie. La pandémie de COVID a touché très fortement les pays à faible revenu et a accru l'écart entre les économies. Des millions de personnes ont perdu leur emploi et le niveau de pauvreté. Alors, je suis désolée, ça coupe. Le vaccin le coût entre 19 et 24 dollars, ça nous montre très bien comment les entreprises pharmaceutiques marchandisent l'accès aux médicaments au détriment des vies et de la santé des peuples et pour leur profit. On a vu que Pfizer a fait 37 milliards de bénéfices et pourtant les pays à faible revenu n'ont pas accès à leurs vaccins. Et ça va également à l'encontre de l'engagement pour défendre les droits humains et l'égalité. Ça ramène l'âge sombre où des essais cliniques étaient menés en 2020. Johnson & Johnson a réalisé des essais cliniques pour la plupart sur des femmes. Je suis désolée, le son est très mauvais. Alors, les interprètes demandent si vous pouvez ralentir un petit peu. Il y a aussi des installations nationales qui ont été utilisées, alors que finalement, les résultats n'ont été accessibles à la population qu'après des protestations répétées, et les vaccins ne sont pas disponibles pour les populations locales qui sont accaparées par les pays riches. L'organisation féministe pour un vaccin populaire, Feminist for a People's Vaccine, plaide pour un accès au vaccin. Et le droit et montre que le droit à la santé n'a pas été atteint. Et bien au contraire, il a été remis aux mains d'entités privées et d'entreprises privées. Et cela est totalement injuste, puisque ces institutions ne sont pas capables de fournir un accès aux diagnostics et aux vaccins contre le COVID. Vous savoir que 1 milliard de personnes dans les pays en développement ne sont pas encore vaccinées. Il n'y a que 2% de la population d'Afrique du Sud qui est vaccinée actuellement. Et on voit également que l'évolution des vaccins de l'épidémie n'est pas examinée. Seuls 17% donc des personnes sont vaccinées dans les pays en développement. Et donc, on
cela aboutit à beaucoup plus de cas qui ne sont pas diagnostiqués. En Afrique du Sud, on a vu des pertes d'emplois et qui ont surtout concerné les femmes. Le ministère du Travail a recensé énormément de pertes d'emplois dans les premiers mois de l'épidémie de COVID. Et lors de la pandémie, on a pu voir un cycle de pauvreté qui s'est mis en place. Je reprends. Donc, pour tous les pays africains, on a eu des rapports qui expliquaient qu'il y avait un fardeau plus lourd à porter pour les femmes au niveau physique, mental, et cela continue encore. La mainmise des entreprises, en fait, est mise en évidence par ces inégalités d'accès aux vaccins, l'insécurité alimentaire aussi, ou d'accès à des services publics comme l'éducation et la santé. Les défis à l'échelle mondiale augmentent et demandent des solutions mondiales, avec tous les acteurs impliqués qui doivent prendre leurs responsabilités pour gérer les problèmes. Si nous sommes en mesure de tenir un peu les États responsables, parce qu'il existe des mécanismes à l'ONU, mais il n'y a pas de mécanisme comme cela qui vise à la responsabilité des entreprises. Donc, il faut que les États membres de l'ONU s'engagent à ne pas laisser autant de liberté à ce secteur des entreprises, qu'il y ait des contrôles démocratiques. En Afrique du Sud, nous savons que le fait de récupérer, de revendiquer le pouvoir, c'est évidemment essentiel. Nous faisons face à une mainmise de l'État et des entreprises sur la richesse de la population. Et nous avons besoin aussi de journalisme plus indépendant et d'un système judiciaire plus indépendant pour cesser cette attaque des entreprises et de l'État sur nos pays. Nous demandons actuellement à ce que le secteur des entreprises soit mieux contrôlé. Shell, notamment, qui exploite nos zones côtières, ainsi qu'une entreprise australienne d'exploitation minière, et cela à travers des protestations citoyennes. C'est là une responsabilité collective, c'est à ça que ça ressemble, et c'est ce féminisme, ce militantisme dans lequel nous nous impliquons en tant que féminisme. Et parce que ces entreprises, justement, bafouent les droits humains. Cette campagne féministe pour le vaccin populaire va aussi pour la protection et le respect des individus et des différentes classes sociales ou classes raciales, parce qu'il y a des inégalités structurelles. La discrimination est attribuable aux conséquences historiques de l'esclavage, du racisme et du colonialisme. Et cela reste encore pas assez reconnu par l'État. Pour conclure, cette distribution inégale des vaccins entre les pays et au sein des pays met en relief un système mondial qui fonctionne encore avec des systèmes néocoloniaux et qui se reflète encore pour les populations descendantes d'esclaves. Il faut qu'il y ait des principes pour combattre la pandémie, des principes de solidarité internationale. Il faut lutter contre cet apartheid vaccinal. L'ONG sud-africaine Treatment Action Campaign
a réussi à mettre au défi les grandes entreprises pharmaceutiques pour qu'il y ait des traitements efficaces contre le sida à l'époque. Avec Nelson Mandela, nous avons des modèles qui ont été couronnés de succès. Nous devons nous en inspirer. Le COVID-19, ou le COVID-19 plutôt, n'est pas derrière nous encore. Nous devons continuer à chercher à cesser l'existence de ces inégalités dans les traitements, dans les vaccins. Et nous prions instamment l'Assemblée générale de l'ONU pour qu'il y ait une approche publique qui remplace le régime actuel de propriété intellectuelle. Merci. Merci. Nous apprécions vraiment votre présence ici aujourd'hui en expliquant ou en élargissant encore cette discussion. On voit bien que la mainmise des entreprises est liée au colonialisme, au racisme, aux structures d'inégalité qui gouvernent beaucoup nos vies, nos systèmes sanitaires et nos systèmes de services publics en général. Maintenant, Veronica Serafini de Latindad, le réseau latino-américain pour la justice économique et sociale. Et elle va pouvoir nous parler un petit peu de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Veronica, c'est à vous. Merci d'avance. Merci, Katie. Je vais m'exprimer en espagnol, dit l'oratrice. Bueno, como Latindad es una red regional. Alors, donc Latindad, c'est un réseau régional pour l'Amérique latine et nous nous intéressons à deux sujets qui touchent à la mainmise des entreprises sur l'emprise des entreprises sur les Nations Unies depuis une économie féministe. Donc, d'une part, cet élan des alliances ou des accords de partenariat public-privé, ainsi que les accords aussi publics-privés sous l'excuse d'un espace fiscal. Lorsque, par exemple, dans certains pays, il y a une grande inégalité fiscale. Ces alliances entre le public et le privé s'accompagnent, par exemple, des taxes douanières ou d'autres taxes, d'autres impôts qui touchent plus les femmes parce qu'elles n'ont pas les mêmes revenus que les hommes et qu'elles n'ont pas d'autonomie économique. Et l'on voit aussi que ces accords publics-privés qui se mettent en place en Amérique latine sont soutenus par le travail précaire des femmes. Parce que beaucoup de ces partenariats publics-privés embauchent des femmes, justement, et profitent des inégalités de revenus ou de salaires. Les accords publics-privés et l'influence de ces accords au niveau des Nations Unies étaient, par exemple, reflétés dans l'ODD 17. On partait du principe que ces partenariats publics-privés aller aider à atteindre les objectifs de développement durable, notamment le 5 qui est lié à l'égalité de genre. Alors qu'en réalité, les preuves, les données montrent dans de nombreux pays et même en Europe, ces données montrent que non, ces accords publics-privés ne garantissent pas les droits, ne favorisent pas les droits. Et d'autre part, notre autre préoccupation, c'est le retour de la dette en Amérique latine qui a gonflé notamment avec la pandémie, qui a deux conséquences. La dette extérieure, d'une part, la dette souveraine, qui finit par se répercuter sur les femmes lorsque, au moment de payer, il n'y a pas assez de ressources dans le foyer et qu'il faut, par exemple, limiter, quand il n'y a pas assez de ressources au niveau étatique et qu'il faut réduire les services publics. Et d'autre part, l'endettement privé, justement. Et là aussi, il y a une influence très forte des investisseurs et des entreprises, des multinationales ou des entités financières pour incorporer des bons en fait, de genre, c'est-à-dire des bonus genre, c'est-à-dire d'inclure financièrement les femmes, alors que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on endette encore plus les femmes. On offre des bonus, par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, lorsque les femmes y sont
concentrées, qui sont plus représentées, mais ce sont dans ces petites entreprises que les femmes travaillent de manière plus précaire, et c'est là aussi que l'on trouve l'emploi non rémunéré des femmes. Et donc finalement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des financements qui, en fait, dans la vie quotidienne, alors qu'on suppose améliorer, émanciper économiquement les femmes, les inclure économiquement, ce qu'on observe en fait, alors qu'on parle d'une augmentation des services publics pour les femmes, en fait, eh bien, sur le terrain, on voit que ça s'appuie sur le travail rémunéré, non rémunéré des femmes, et ça finit par fragiliser les conditions de vie des femmes. Et donc, Latindad, notre réseau, ce qu'on essaye de faire, eh bien, c'est d'apporter des preuves empiriques, des données qui permettent de transformer ce discours positif. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les effets qui entraînent ce genre de financement, sur les effets sur la vie des femmes, mais c'est aussi la construction de ce discours qu'il faut démonter parce que c'est un discours qui est vide de sens ou vide de contenu, qui est creux. Par exemple, l'émancipation des femmes. On dit que c'est positif qu'il y ait une inclusion financière des femmes, alors qu'en fait, elles sont soumises à une cascade d'endettement pour toute sa vie et qu'elles dépendent des systèmes financiers. Et donc, nous sommes face à deux grands défis en Amérique latine. Montrer comment ces modes de financement, finalement, ne garantissent pas les droits des femmes et ne réduisent pas les inégalités de genre. Et nous devons aussi nous battre contre un discours qui est très présent et qui est creux aussi, c'est-à-dire les demandes, les revendications féministes des femmes dans la région qui ne sont pas du tout prises en compte. Merci, Katie. Merci beaucoup, Véronica. Très intéressant de voir votre point de vue par rapport à ce poids des partenariats publics-privés et comment les femmes en subissent les conséquences. Alors maintenant, nous allons écouter un peu une analyse plus globale, mondiale, de Marieke Koning, qui fait partie de la Confédération internationale des syndicats et de la Coalition d'action pour la justice et les droits économique. Merci Marieke, c'est à vous. Merci Katie. Et merci d'être là, d'écouter ces interventions. J'ai écouté très attentivement ce que mes précédentes collègues ont dit, parce que ça souligne justement ce besoin que l'ONU mette en place un mécanisme de responsabilité transparent pour que le secteur privé puisse rendre des comptes. Ça prouve, c'est prouvé par les appels, les actions récentes du mouvement féministe ou des mouvements pour les droits des femmes. Et c'est bien ça que fait la Coalition d'action pour la justice et les droits économiques, ce contexte de l'accord entre BlackRock et ONU Femmes. L'ONU offre au secteur privé de nombreuses portes d'accès pour influencer ces travaux, soit par des partenariats, soit par des protocoles d'entente, les Memorandums of Understanding en anglais. Le secteur privé est présenté comme un pool d'experts, etc. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, le partenariat de 5 ans récemment entre Microsoft et l'Office des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans quelle mesure Microsoft peut aider sur les droits de l'homme, on ne sait pas. Ou le programme de développement des Nations Unies, travaille avec les grands acteurs de la pollution en Colombie, cette grande compagnie des secteurs privés qui détruisent les habitats des communautés autochtones, qui s'attaquent à leurs droits parce qu'il y a des énergies fossiles dans leur sous-sol. Et puis des entreprises philanthropiques, des entreprises, des business qui sont vues comme étant experts pour le grand pacte mondial numérique, par exemple. Enfin voilà, ce sont quelques exemples. Et puis, je voulais revenir à ONU Femmes. On voit qu'il y a énormément de partenariats avec le privé qui sont très problématiques. Vous connaissez probablement certains de ces partenariats, de ces histoires. Uber, par exemple, qui offrait 1 million d'emplois pour les femmes.
alors qu'on sait très bien que ces emplois Uber sont précaires, sont mal payés et sont faits de manière qui permet à Uber de contourner les lois nationales. Donc en fait, ces travailleuses ou travailleurs n'ont pas de droits si l'on regarde de près. Et c'est vraiment dommage que l'ONU les femmes n'aient pas tiré les leçons. Mais il y a aussi un autre mécanisme à l'ONU femmes qui est avec l'engagement des entreprises, c'est sur les principes, là où les entreprises sont censées signer des principes, par exemple traiter dans le travail les hommes et les femmes de manière égale, sans discrimination. Ça a l'air très, très bien sur le papier, mais on leur demande juste d'utiliser cela comme des orientations. Et en fait, l'égalité est synonyme de business, est synonyme d'affaires. En fait, ce sont des coquilles vides, ces principes, et n'ont aucun aspect contraignant, comme les traités qui permettraient de garantir des conditions de travail décentes aux femmes. Il n'y a pas de mécanisme de reportage transparent où les entreprises puissent rendre des comptes sur comment ils appliquent ces principes. Il y a également des partenariats avec des fondations, mais aucune référence de nouveau au cadre sur le travail. Donc, c'est un petit peu inquiétant, c'est ce qu'on a pu voir avec BlackRock. Donc, au-delà de ce manque de reddition de compte, cet engagement du secteur privé se voit partout et contredit les objectifs transversaux des institutions de l'ONU. Et ces intrusions sont problématiques et ont souvent lieu en coulisses. Il n'y a pas d'évaluation annuelle, de rapport sur qu'est-ce que le secteur privé obtient comme avancée réellement, concrètement, sur les droits de travail pour les femmes, en termes d'écart salarial, en termes de discrimination de genre, et la diminution de l'éradication des violences de genre sur les lieux de travail. Et donc, ces procédures seraient fondamentales pour obtenir des avancées. Donc, l'ONU Femmes a annoncé, dans le contexte des discussions qu'on a pu avoir pour certains d'entre nous dans le cadre de BlackRock, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer une stratégie de participation du secteur privé, une nouvelle stratégie, dans les 9 prochains mois. Et donc, ces groupes qui sont en dialogue avec l'ONU Femmes ne seront pas du tout soumis à aucun mécanisme de suivi. Et donc, ce que je voulais remarquer ici, c'est que ça peut aussi être une opportunité renforcer, de réaffirmer le leadership de l'ONU Femmes, C'est vraiment une opportunité de vraiment faire les choses correctement. Il y a beaucoup d'orientations qui sont bien connues, mais elles ne sont jamais appliquées de manière proactive dans toutes les chaînes de valeur, que ce soit de l'ONU, de l'OIT, de l'OCDE. Et donc, il faudrait utiliser les orientations existantes avec des mécanismes de
reddition de comptes. Ce serait vraiment la manière d'obtenir des avancées et un véritable changement de système. C'est la seule manière de procéder. Et donc, je dirais que ONU Femmes et toutes les institutions de l'ONU, bien sûr, ne pourront obtenir des avancées qu'à partir du moment où ces mécanismes seront en place. Et c'est vraiment la manière cruciale d'ancrer un changement de système dans la réalité, avec des mécanismes transparents, avec des évaluations, évidemment. Et il est grand temps de mettre cela en place. Et j'espère que l'ONU Femmes va saisir cette opportunité pour agir dans le bon sens. Merci beaucoup. Oui, en effet, merci beaucoup, Marie-Kay, d'avoir identifié la manière dont la reddition de comptes et la transparence pourraient fonctionner au niveau de l'ONU et de nous avoir rappelé quel est l'objectif et ce que devrait défendre l'ONU plutôt que laver la façade d'entreprises qui veulent laver leur image. Bien, nous étions censés nous diviser en groupes, mais il est un petit peu tard. J'aimerais juste prendre des deux commentaires très, très brefs du public avant que l'on clôture. Donc, si vous avez une question ou un commentaire très bref, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. Ah, peut-être que vous n'avez pas l'autorisation. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser sur le chat, écrire le petit symbole étoile. Et en tout cas, nous avons pu partager avec nos intervenantes ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce que nous devrions appeler de nos voeux à l'Assemblée générale cette semaine. Donc, ça a été très intéressant. Bien, je ne vois pas de demande d'intervention pour des commentaires. Peut-être juste rappeler au nom du Nexus Action Féministe, rappeler notre engagement pour trouver des opportunités de continuer ce débat avec vous toutes et tous et de collaborer avec nos intervenantes et les participants pour vraiment déterminer comment avancer, faire avancer le changement de système au niveau de l'ONU, comment refaçonner, refonder le prisme de l'ONU, notamment en termes d'engagement avec les entreprises. Il y a beaucoup d'événements cette semaine qui traitent du pouvoir des peuples, des questions de travail, etc. Et je vais passer la parole à Amélie Reyes, qui fait partie du Nexus Action Féministe. Elle fait partie également de la campagne des campagnes pour qu'elle clôture. Merci beaucoup. Merci à ce fantastique panel d'intervenantes qui nous ont éclairé sur les impacts de la mainmise des entreprises. Je voulais, pour ma part, souligner quelques points. D'abord, la mainmise des entreprises sape toute évolution démocratique et empêche la décolonisation des territoires du Sud où les peuples autochtones, les terres sont menacés, donc c'est un des points d'entrée. Et ensuite, en donnant la priorité au profit sur les populations et la planète, ce que l'on voit, bien sûr, c'est que le système multilatéral démocratique est menacé, est en danger, il n'est plus fonctionnel. Ça nous mène à cette crise mondiale. Et au-delà de cela, en donnant la priorité au profit, on voit également
que toutes ces mesures qui vont à l'encontre de l'état de droit ouvrent un boulevard au fascisme dans le sud, mais également dans le nord, qui s'atteint également un impact énorme sur le sud et sur les espaces multilatéraux. Donc ça nous concerne vraiment tous et toutes, et c'est extrêmement inquiétant. J'aimerais aussi remarquer qu'étant donné les inégalités mondiales, la plupart de ces entreprises qui s'approprient les pouvoirs démocratiques et la prise de décision au niveau des politiques nationales et locales, eh bien, ces acteurs ont aussi un impact sur la destruction de notre planète. L'extractivisme des entreprises, qui a été souligné par beaucoup de nos intervenantes, est directement lié à des destructions du vivant, de la biodiversité, à des droits humains qui sont bafoués, et on a pu voir aussi que les défenseurs et défenseuses des droits humains sont menacés et inquiétés. Ce sont des évolutions très inquiétantes, puisque ce sont les mêmes acteurs qui sont censés lutter pour les droits humains, etc. Ce sont les mêmes acteurs qui ancrent ce type de pratique dans les territoires. Donc, c'est vraiment dommage que ces espaces soient complètement accaparés par ce type d'acteurs. Je voulais aussi clôturer en disant que dans le cas de l'exemple de BlackRock, des actions ont été menées en externe et en interne. Nous avons eu des actions menées par la coalition sur le travail décent. Il y a eu des dialogues qui ont été menés avec d'autres coalitions pour leur demander des comptes. Et il y a aussi des mobilisations populaires autour de la campagne Bloc BlackRock. Nous avons eu plus de 600 soutiens partout dans le monde. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Ça montre que le pouvoir populaire émerge et appelle à une transformation significative. Et c'est sans doute ça, l'avenir. Ne pas travailler de manière cloisonnée. On voit que, bien sûr, toutes ces évolutions sont entremêlées. Et toutes ces menaces sont interconnectées. Donc, c'est un appel à toutes les mobilisations et les actions de se soutenir pour obtenir beaucoup de victoires à l'avenir, comme le cas de BlackRock. On doit vraiment maintenant continuer la lutte, et j'ai hâte de vous retrouver dans le cadre de toutes ces initiatives. Merci d'avoir participé et merci de participer à cette lutte pour remettre en question ce pouvoir et apporter de vraies solutions. Merci. Merci beaucoup, Emilia. Nous allons rendre la parole aux organisateurs pour la session suivante. Merci. So our next session is not this. A similar theme is Leave No Woman Behind. I don't know which of the organizers we have here yet. Can you all see my screen? I was having difficulties with this earlier.
Yes, I do see, and yes, we are here.